a été relayé Liniers. Même en Lettonie. En hein. Lettonie, forcément. La famille. Liniers qui se fait déposséder là, à la régulière. Joli. Bon travail de couche en dos, mais là, cette fois-ci. Il s'est fait déposséder sur le palais de la bleue, il n'y a pas hors-jeu. Surek est la bleue. Ouais, voilà. Eh oui, en deux temps. Oui. Il a fait l'écran de ouais, il a beau travail, là, effectivement, de Tarantino, c'est ça? Oui, je crois, le numéro 23. Ouais, c'est ça, c'est Tarantino qui fait un bel écran sur le shoot de la bleue. On va revoir ça. Exactement. On va voir. On croit que le palais va sortir. En fait, non, il est sauvé là, la première fois. Il se fait bousculer là, Crescendo. Il avait fait un beau travail, mais derrière, en deux temps, là, il n'y a pas réussi. Ouais, le palais, la passe à la bleue, elle est bien parce qu'on croit qu'il sort. On est devant la cage. Et tout seul, il est tout seul devant la cage. On l'a laissé. Effectivement, c'est Mika Müller au but. Mika Müller au but. Ouais, c'est bien d'aligner Mika Müller aussi pour le dernier match ici. Désolé pour Mika, mais c'est bien Mika Müller au but. Je me disais bien la sortie. Et but, on l'a loupé. C'est Bogdanov, qui le mène. Hein. Je crois, un partout, 1-0-7 la fin du premier tiers. Alors est-ce que c'est Bogdanov ou est-ce que c'est... Non, c'est Crescendo peut-être. C'est qui le premier qui va taper dans la main? Ils sont tous allés féliciter Crescendo, mais je crois bien que c'est Crescendo. D'ailleurs, on va le remonter au ralenti. C'est Seda qui a checké. On va revoir ce... C'est Seda qui a checké le premier. Le tir, il vient de loin. Ah, c'est... C'est Seda. Il va falloir se méfier de la sortie du joueur d'anglais. Exact, ça va jouer la carotte. Et voilà, justement, c'est bon. On est revenu quand même, il y a 3 contre 2. Voilà le but. On l'avait senti, on l'avait vu. On l'avait vu. Il s'est dirigé ce palais directement devant la porte de la prison. Et je pense que. Cette petite perte de palais là. Belle déconcentration des Mulhousiens quand même. Hein. Là, il vient tranquille. Il devient trop tranquille. Il vient chercher. Il devrait foncer dessus pour le prendre. Là, Damiaro. Et là, tout de suite, il y avait un 3 contre 2. Un peu de suffisance. Et puis, il a très bien joué. Il a remis en arrière. Derrière, on décale. Très vite, Shevchenko. Beau tir. Bien pour Mulhouse. Pour une fois, ils sont bien installés. Ça va, et ça va assez vite d'ailleurs. On fait bien circuler le palais. C'est plutôt agréable. Voilà le but, Shevchenko. Shevchenko, le feu follet. Il vient de marquer. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas marqué. Shevchenko. Ah, il est beau ce but parce qu'il a été construit, on disait, le palais circulait bien. Ça circulait très bien, c'était assez vite. Juric, Juric et puis derrière. Et là, on décale Shevchenko qui lui prend un shoot tout de suite en première attention. Un beau one-timer là, bien fait, bien propre. On le voit, il a la crosse en l'air, il est prêt et bim. Et voilà. Joli, vraiment un beau vraiment but. Très beau but. Vraiment très beau but. Oui, ça pique beaucoup même, je pense. Dans le patin, je pense dans le pied. Aïe aïe aïe. Le lancer, contré, Lovquist. Il cherchait un contrat à long terme. Ouais, il cherchait un contrat à long terme. Attention, Brian Tenbrack, but de Brian Tenbrack. Beau mouvement d'ailleurs. Oui, très bien fait. On disait, donc but de Brian. Je suis content pour Brian Tenbrack qui marche ce soir. Ça. Ouais, on est content. Et Jimmy qui doit nous regarder doit être content aussi. Hein. Ouais, Brian qui a passé son enfance à Anglette. Brian Tenbrack toujours aussi démonstratif. Hein, Allez, la joie sur le visage de Brian Tenbrack. Il a de la place. Par contre, il a oublié. Là, il a oublié. Là. Voilà, à Kevin Feuille. Voilà. Là, il est allé un peu seul. Et là, maintenant, attention, ça va revenir. Il y a deux contre un. Il va shooter. Ah, la passe. Et but. Là, c'est une erreur de Kevin Feuille. À force de jouer à la ligne bleue, on se brûle à un moment donné. 3 partout. Il est beau le but. Hein. Après le but a bougé, alors est-ce que le palais était entré avant, on va le voir, c'est dommage quand même là. Il y a le bras en l'air l'arbitre, il n'y a pas de soucis. C'est un peu couché vite Zipov. Ouais, il est beau le but. Albert là. C'est un peu couché vite Albert. Mais cette fois on va pouvoir se dégager, on est rentré dans la dernière minute, attention à Riordo. Il faut revenir. Il sort de prison, Riordo, attention c'est un sniper, Riordo. Oh le voilà. Et voilà. Et le voilà ce but. Alors là. C'est un sniper, Riordo, je vais vous le dire. Joli travail d'Anglette qui vient faire ce qu'a fait Mulhouse à Lyon. C'est ça. Dernier match à 32 secondes de la fin. Voilà, laissez sortir du vent, il n'y a plus personne. C'est la porte ouverte, on disait c'est le printemps, c'est porte ouverte. Et ben voilà. Et le quatrième but, la victoire je pense. Allez, 12 secondes, à moins que. Ouh, là, bien sûr devant. Non, 7 secondes. Et par contre, là. Ouais, Ro est là, mais cette fois ça ne sert plus à rien. C'est terminé, 3 secondes. Merci, au revoir. Et c'est Anglette qui gagne ce match d'une fort belle façon d'ailleurs sur cette belle sortie de prison de Très beau but de Riando. Très joli but. Très joli but effectivement. Beau mouvement.
à 3 minutes de la fin. On voit la sortie. Il la récupère en zone 2. Et derrière, il y a 3 Mulhousiens qui patinent comme des fous. Mais par contre, ouais. Ouais, il l'a ajusté. On aurait bien voulu qu'il fasse l'arrêt sur ce coup-là, Michael Muller. Il n'a pas réussi. Ouais, ouais. Eh ben, une belle victoire d'Anglette qui revient donc à égalité. Ah oui, au classement de la poule de vainqueurs. 57 points avec Mulhouse. Tout se jouera donc en terre basque mardi prochain. Mardi 26, effectivement. Voilà. Oula, Lyon a cartonné Strasbourg. C'est déjà joué. Alors, on va faire le voilà, on va honorer Michel Seda. Je pense qu'il aurait préféré être honoré sur une victoire, de terminer sur une victoire. Malheureusement. Qui marque en plus ce soir. Non, il marque pas. Il est assistant puisque le but a été redonné à Cruchon. Ah, quand même. Ouais. C'est le premier but, effectivement. Il a une assiste, Michel Seda. Seda, 37 ans cette année, année 82. Tarantino. On va nous faire une danse, Tarantino. Le belly dancer. Ouais, en c'est anglette. Ça. Allez, Lionel du Tchèque. Lionel Tarantino. Et Lionel tous contents, du Tchèque dans la main en passant. Ouais, petite gratouille à la tête de la fille Seda. Il s'excuse auprès de Michel Seda. Alors, personnellement, c'est un joueur que j'aime bien, moi, Tarantino. Quand il joue à Strasbourg. Ouais, ça. J'aime bien. Et Michel Seda est élu joueur. Bravo Michel. Très sympathique, hein, Michel Seda, pour l'avoir côtoyé en glace, sur la souvent croisée. C'est vraiment un bon gars, effectivement. Très très sympathique, Michel Seda. Super gentil. Je l'ai croisé il n'y a pas longtemps encore.